Mwana ndumba ya mkula kimolo yae Mwana ma, sek, sek Sika luke, sek Ya mkula kimolo Sosa kisalu Mbasa dilange Mbadilange Mwana ma, 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 ma Peu importe les centaines de kilomètres qui nous séparent dans le monde, l'amour nous fera toujours unir. Avant de continuer à regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme nous le disons souvent, un peuple sans histoire est un peuple perdu. C'est dans ce sens que l'émission Farafara a ainsi eu le privilège de recevoir dans la ville d'Eboma, province du Congo central, le couple promoteur de la radio-télé Chilo News de la Belgique, venu dans les cadres touristiques et des découvertes. Il s'agit de M. Mbundu Moses et sa femme Mwandalando Kintima. Aussitôt arrivé à Boma, direction les bas-fleuves, précisément la cité de Tchela, pour tenter de foncer jusqu'au secteur de Madouda, village Kipalanga, un village d'origine de Mme Mwandalando Kintima. Les rires, le conte et les questions de curiosité ont constitué la feuille de route de notre voyage. Arrivé à Lemba, une chose attire notre attention, particulièrement celle de Mme Mwandalando Kintima. C'est les pidi, comme on l'appelle localement, transportés par des mamans qui partent au champ. Nous sommes obligés de nous arrêter. En effet, les pidi est un récipient fabriqué à base d'une plante rare et naturelle qu'on ne sème pas. On peut le trouver dans de terres humides, bref, dans le marais. À l'aide de cette plante, l'on peut aussi obtenir le passoir, le panier et bien d'autres objets. Étant donné que notre chère sœur ne voit que le pidi dans les vidéos de l'émission Farafara, elle était obligée de tenter l'expérience et de donner ses impressions. Je trouve ça vraiment très pratique. Je félicite les mamans qui... Les mamans Bayombe sont très courageuses. Mmh. Et je suis fière d'être aussi Bayombe, donc moi aussi je suis courageuse. Mmh. Je n'ai pas hésité de prendre ça aussi avec moi pour la toute première fois. Comme ça, moi aussi je vais expérimenter comment ces mamans portent. Comment on appelle ça encore? Pidi. Pidi. Oui. Voilà. C'est bon. Vous parlez du courage jusque-là parce qu'il n'y a rien dedans. Bon, il n'y a rien dedans, mais bon. J'estime que elle, quand elle porte, elle met des marchandises là-dedans. Mmh. Je vois souvent les kondou là. Les manioc. Ce qu'elles achètent, les manioc, les arachides. Mmh. Donc, vraiment, chapeau pour les mamans. Fidèle téléspectateur de l'émission Farafara, même moi, moi aussi, patron Katouba Tama, Benza pour venir recueillir Diaka, pour se ressourcer dans ma source ancestrale Yabao, pour que ça n'ait pas rapide. Par exemple, on a Katama, mais même plus, on a passé de bons moments avec l'émission Farafara. Merci beaucoup parce que Bame Katouka, Allemagne, Belgique, juste pour attirer au Congo et voir le membre de l'émission Farafara. Nous supposons que Benoupe, vous a partagé avec le bon moment, mais tout ça, on a bien ensemble ma découverte. Déjà, les couples, ils sont là, ensemble, certainement, là qu'on a bilanga. Et après, on va se retrouver, les voyages, ils continuent, ils sont trop longs. Vous allez voir, d'ici qu'à Bikina Kuna Tabeno, ensemble avec Célestine. Oh, les pidi servent de transport des produits agricoles de la forêt au village. Son transport exige un long fil appelé un collé, attaché entre le front du transporteur et les pidi confortablement installés au dos, précisément aux hanches. Et donc, panaradochilo. Entrez. Thank you.
Plus nous avancions, plus le temps de la route se dégrade. Comme si cela ne suffisait pas, arrivé à Sekilufu, un village situé à quelques mètres de Luangu, un obstacle nous bloque le passage. Deux gros véhicules de produits agricoles sont enfoncés dans la boue, ce qui a occasionné la colère des usagers. Après quelques temps d'impatience, le premier gros véhicule réussit de sortir du pétrin. Nous en avons profité avec les savoir-faire de notre conducteur pour nous frayer un chemin. En pleine saison de pluie, l'état de dégradation de la route va de mal en pire, ce qui va nous coûter 5 heures de distance entre la ville de Boma et la cité de Tchela. Cette longue durée de voyage va également faire en sorte que nous nous arrêtions à Tchela sans atteindre le secteur de Madouda, situé à plus ou moins 30 km. Bon, voilà, dans notre périple vers Tchela, nous sommes effectivement arrivés à Tchela. La route a été longue, difficile, remplie de complications à cause de la qualité de l'asphalte qui est complètement détérioré. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu avancer et nous sommes arrivés à Tchela. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'ITP Tchela. Ceux qui ont eu à étudier ici et qui sont éparpillés dans le monde peuvent reconnaître leur cadre habituel, n'est-ce pas, de vie, d'études, où ils ont été, n'est-ce pas, enseignés, instruits, et où ils ont reçu leur formation. Donc je crois que la caméra va prendre, n'est-ce pas, des vues ici pour vous édifier de plus en plus sur ce qui est devenu votre cadre habituel de l'époque. Donc nous sommes à Tchela. Et j'encouragerai ceux qui sont d'ici à prendre des initiatives privées, communautaires, pour venir en aide aux populations et aux communautés qui sont restées ici. La vie n'est pas facile, les conditions de vie ne sont pas faciles. La route rend la vie complètement difficile et il faut bien qu'il y ait des enfants de ce territoire qui réfléchissent sur les solutions de leur coin. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, je suis très contente. C'est la terre de mes aïeux. Donc je me sens à l'aise. Et je bénis cette terre-ci. Que Dieu bénisse cette terre. Que Dieu fasse des grandes choses avec cette terre de Tchela. Amen. Donc, peut-être qu'on devrait aussi, tu devrais te présenter peut-être au public moi, de Farafa. Moi, je m'appelle Mwanda Lando Kintima Anne Bibi. Et je suis originaire d'ici, de par ma mère. Elle est de Tchela, précisément de Madouda. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à Madouda. Donc, je me suis arrêté ici. Moi, ça me suffit. On demande aux moins autorités, faites quelque chose. Parce que il y a la vie ici. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de choses ici, mais l'état des routes, impossible. Donc, faites quelque chose pour nous, nous qui sommes de Tchela, nous les Tchélois. Nous attendons à ce que vous preniez votre responsabilité et arrangez les routes. Ben, on est là, donc on est venu explorer le coin. Et prochainement, peut-être si Dieu le veut, donc, on fera un travail avec eux aussi, en équipe. Mais on les salue de loin. Et on leur souhaite aussi un bon travail. Continuez à travailler. Continuez à informer, éduquer la masse.
Et nous disons aussi merci à votre équipe. Et c'est, pour moi, c'est pour la première fois de vous voir. Et je trouve que vous êtes très, très efficace, très important, surtout pour notre communauté congolaise, et plus précisément pour notre communauté ici de Yombe. Congo central, plus précisément dans le Bafle, plus précisément à Tchela. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et salutations à la famille Mwanda aussi. Bon, je salue ma famille. Hein. Maman. Ma maman qui est au Canada, mes soeurs, mes frères. Maman. J'ose croire que le nom de maman. Vont suivre cette émission, suivre cette. Maman Média. Ma maman s'appelle. Maman Média, Pumba Bimboko, bisous, bisous, bisous là où tu es, gros bisous, que Dieu te bénisse. Donc c'était là notre petit tour à Tchela. Merci émission Farafara. Au fait, nous devons dire que l'émission Farafara est à la disposition de tous les ressortissants du bas fleuve. Hein. Une fois que vous êtes ici ou bien à distance, vous voulez faire quelque chose, découvrir à distance, n'est-ce pas, d'où vous venez, vos origines ou bien les activités qui sont possibles à réaliser dans votre coin. Je crois que l'émission Farafara nous aide tous à, en faisant le pont, n'est-ce pas, entre nous qui sommes partis et, n'est-ce pas, nos territoires qui sont restés ici, et nous sommes un exemple vivant de cette collaboration. Merci Célestine Toula, bon travail et bonne continuité. Merci. Salaki saluki di manadia pangi ami Wiridoro son excellence Nerombu fumwa banga moyo motema pembe pona kosali sabato Mona penge tisadila Zambia Mama Regine Mbungu Mona penge tisadila Zambia Prophète Konde Paul Mikunda Liloba Salaki sala ye déclaration Merci beaucoup mon père, Julien Mwanda. Oui, Ritoro Kiri. Yes. Salaki salwe, Bangi. Salaki salwe. Mama qui panvita, mon apas pour la matelo. Yaku basadi langa, yaku badi langa. Son excellence, le gouverneur du Congo central, Justin Lwemba. Voici ton élévation. Wakala makanise, wakala mason, mama ukala kwa kuwe jania de son, kome bion shimba mu, yeah, yeah, mono, Prophète Simon Kimbam. Ma, comme à Fondation Tonton Moutouba charge. La tête de Nabou Mazoué. Pika Koubou Akou Yazi tout soir. Pika Kifoumou Kiakou Yakiza. Bébi Kalou Zolo la Moura Vangama. Panto Tobe Boso Kou Mazoué. Yakwe Tokwa Lumbu Kalumbu. Vana lumbwe Utu yamburi la fuka zetu Oso pebe tutu yamburi la Pichu bilokosi yantamu Tujou kukati mechamye zabati Utu alandi mpuku muniko Kasi utu tanina mupa wami Kadiki fumu kiaku Yelendo yenkebo Yenzi tusu, mufu, yamfu, kamfu, amen. Restant, Bouddhis, Namatadi. Tolale kota kumazule,
Mono zolele kota kumazulu yare Utala niko mabanza mamekuwe Utala niko ntimani Ole vukatata efumu yesu Mama mami ilela Ele vukatata pepe sanfema Enzolele kota kupala nizwe Yesu Mama vijini mangala Yana tilo kole Uyo kilo kole Mwale kukatate Ya wili kayembe Vre vre Ma 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 Zenga loke Papi mboma PM Uyesu eh Kote muntanda Bana boma pade J'aime si groupe Massé la service. Ding, Mikaël Mbumba. Mon amant, c'est quel look est c'est un kilo. Amam, c'est. Yeah, yeah. Ma, 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 ma. Come on, yeah. Mikuna, 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 Alléluia, danse, danse, la croix de l'éternel. Ibounoudia catholique, missionni, musulman, témoin de Jova, réveil. Totelema, après avoir conseillé la moussala, ma foudre au koumi sans zambé. Netolaye, bina. Anikuna, 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 Anikuna. Kota Moutanda, Kadi Vingil, hein. Une bonne pause bouffe valait bien son pesant d'or. Vous mangez à la congolaise? Oui, on mange. On est à Tchela ici. On est en train de manger à la congolaise. Bon poisson bio avec légumes tzaka. Le pondou, le tchak. Tzaka, et puis là, c'est quoi? Comme chez nous. Vous également vous prenez le même plat? Oui, j'aime bien le pondou. Le poisson. Vous cette fois-ci vous le prenez avec du riz? Avec le riz. Moi je préfère le riz. Depuis les bagnoles, je mange souvent le riz. En tout cas, régalez-vous, bon appétit. Merci. Le bas-fleuve appelé Mayombe regorge plusieurs richesses. Les fruits sont permanents et abondants en chaque saison. Comme notre voyage a coïncidé à la période des ananas, nous en avons profité pour les déguster. Vous avez expérimenté. Togo. Togo. Je vais vous en sachet, comme ça on tient le sachet.
Prenez déjà une bouchée. Où est-ce que vous avez été dans le monde? Vous pouvez déjà goûter. Où est-ce que vous avez été? Voilà. Allez, goûter pour nous donner. Thé. Ça va. Allez-y. Goûtez. D'abord, c'est ananas au nom de Jésus. Amen. Prenez une bouchée. Alors, très sucré. Très sucré. Très, très, très sucré. Plutôt au marais. Waouh. Et pour le moment, Oyo. Voilà nos ananas. Les ananas de chez vous. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Apparemment, ils ont qu'elle la guichasse. Sans oublier les délicieux vins de palme fraîchement tirés des palmiers. Ça, c'est une boisson naturelle qui vient directement de l'arbre. Le vin de palme. Vin de palme, vous pouvez ça dire. À la vous mangas. Alors? Sans problème. Donc il n'y a pas de mélange. C'est vraiment bio. Du bio 100%. Ouais, du bio 100%. C'est ainsi que débuta la collaboration belgo congolaise entre la radio télé Chilo News et l'émission Farafara. Missionni, Misilima, témoin de Jova, réveil. Télema après avoir constaté Moussala, Bafouki, Okumi, Sanzambe, Netolaye, Bina, Anikuna, 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 Kota Moutanda, Kadivingil, hein? Allez, ma, 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 Kota, Simba, Petit frère propre, Dieu merci. Papa Jean-Paul Galapas.